Le système de freinage d'urgence automatique avec détection de piétons peut aider le conducteur en cas de risque de collision frontale avec le véhicule qui se trouve en avant dans la voie de circulation ou avec un piéton. Le système est automatiquement activé chaque fois que le contacteur d'allumage est placé à la position marche. Le système de freinage d'urgence automatique utilise un capteur radar situé à l'avant du véhicule qui mesure la distance par rapport au véhicule situé devant dans la même voie et fonctionne aux vitesses supérieures à environ 5 km/h. Le système de détection des piétons fonctionne à l'aide d'une caméra installée derrière le pare-brise qui permet de détecter les piétons à des vitesses entre 10 et 60 km/h. En cas de risque de collision frontale avec un véhicule, le système émet un avertissement à l'intention du conducteur à l'aide d'un témoin visuel et d'une alerte sonore. S'il détecte un risque de collision frontale avec un piéton, le système avertit le conducteur en faisant clignoter un témoin et retentir une alerte sonore. Si le conducteur n'intervient pas, le système émet un second avertissement sonore et visuel et applique également un freinage partiel. Si le risque de collision avec le véhicule qui précède devient imminent, le système applique automatiquement une plus grande force de freinage. Selon les circonstances, le système n'éliminera peut-être pas le risque de collision, mais il peut en diminuer la gravité. Pour activer ou désactiver le système, utilisez ces commandes pour sélectionner réglage, aide à la conduite, assistance d'urgence, puis système de freinage d'urgence pour activer ou désactiver le système. Le système d'avertissement de risque de collision frontale intelligent est intégré au système de freinage d'urgence automatique. Quand le système de freinage d'urgence automatique est activé ou désactivé, le système d'avertissement de risque de collision frontale intelligent est également activé ou désactivé. Les systèmes de freinage d'urgence automatique et d'avertissement de risque de collision frontale intelligent s'activent automatiquement chaque fois que le contacteur d'allumage est placé à la position marche. Pour assurer le bon fonctionnement du système, gardez ces zones propres et exemptes d'obstruction. Si l'une de ces zones est bloquée, ce témoin peut s'allumer ou ce message d'avertissement peut s'afficher. Le témoin clignote lorsque seule la caméra est bloquée. Une fois le véhicule stationné dans un endroit sûr, éliminez toute obstruction pour rétablir le fonctionnement normal du système. Si le problème persiste après avoir retiré l'obstruction, nous vous recommandons de vous rendre chez un concessionnaire Nissan EV certifié pour un entretien. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.